Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont où, eux? Mais ils sont dans le tapis. En même temps, ils vont mettre le papier toilette sur le rouleau. Tu peux... tu veux l'enrouler? Bah attends, pose-le, j'ai pas de mal. Ils ont voulu décorer le sapin. Ils ont mis des guirlandes en papier toilette. Super. Allez, tout. Oh, super. Allez, tout. Ah bah, fais pas tomber le sapin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle journée. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Je vlog avec le pied là, le trépied que je vous ai montré hier. Il a l'air plutôt pas mal. C'est... Attendez, je vais vous montrer ça. Du coup, dans le miroir. Là. Voilà. C'est pas mal. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'ai installé donc le miroir que je viens de vous montrer en plein milieu du salon pour faire les photos vintage. Encore une fois, j'ai fait un gros tri dans les pulls, les robes pulls. Et quelques chemises, et là j'ai quelques jeans et pantalons aussi à prendre en photo après. Parce que voilà, vintage, je fais des photos portées, hein. Je sais que c'est toujours demandé, donc du coup je le fais pour chaque article. Ça prend du temps mine de rien, mais il faut vraiment que je fasse des tris. Donc là ça a été le tri des pulls, voilà, des pulls Mango, des H&M, voilà, je vous mets tout dès que possible. Ah bah... On voit mieux ici. Voilà, donc là le trépied, c'est vrai qu'il est un peu plus grand que je ne le pensais. Mais pour, du moins pour la maison, je trouve ça bien. Comme ça, si j'ai besoin de le poser sur ma table pour vous parler facecam, etc. Ben j'ai le trépied là pour le qui s'écarte et qui se pose, la hauteur qui se règle. Franchement, génial. Après, emmener ça prend de la place dans un sac, c'est sûr, et c'est un petit peu lourd. Mais à emmener quand même pour faire des vidéos, des plans, etc. Hein. Si on part plus en vacances, en voyage, etc. ça peut être cool. Voilà. Hey, je vous retrouve milieu d'après-midi, les 16h. J'ai rendez-vous à 16h30 sur Lille pour un goûter à l'Institut Pasteur. Donc voilà, c'est cool. Je vais découvrir d'ailleurs ce lieu. Bon, je ne suis jamais allée. Et voilà, du coup, je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, je viens d'arriver, je viens de me garer. Il fait déjà presque nuit, il est 16h37 exactement. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. Donc, je suis invitée à découvrir la fondation, donc l'Institut Pasteur de Lille. Donc je ne sais pas si je dois dire collaboration commerciale ou pas, mais en tout cas, enfin, j'y vais de mon plein gré. Je suis ravie de pouvoir découvrir l'Institut Pasteur de Lille, qui travaille dans les recherches des maladies, etc. Et donc, enfin, pour rappeler que ce métier d'influenceuse, c'est pas simplement vous montrer des produits, vous vendre des choses, etc. C'est aussi pouvoir véhiculer en fait des causes à soutenir, comme là la recherche médicale. Enfin, en fait, j'ai l'impression que certaines personnes cataloguent le métier d'influenceur juste comme du déballage, comme si on gagnait énormément d'argent. Enfin voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas comment être plus clair que je suis ici de mon plein gré pour véhiculer justement et vous parler de la recherche médicale, de la prévention santé, etc. On m'a rien demandé, j'ai pas de brief, j'ai rien, je dis ça par moi-même. Enfin bref, je vous laisse, j'y vais et je vous filmerai peut-être quelques images. Enfin je sais pas trop ce que... En tout cas, je sais que je vais pouvoir découvrir et avoir une visite du lieu. Donc voilà, du coup, j'y vais.
Bon, bien rentré à la maison. Du coup, je suis en train de récupérer les plans drones que Greg a fait sur le terrain. C'est en train de charger. Et du coup, je vous mets ça juste après. Donc là, c'est vraiment le moment où ils ont coulé la dalle, donc le plafond en tout cas, ou le plancher de l'étage. Voilà, donc prochain épisode, ce sera le montage des murs de l'étage.